Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rager qui a la dalle. J'ai la dalle, j'ai la dalle, j'ai la dalle. J'ai envie de manger un bon petit croque-monsieur là. Mais je ne peux pas parce que je suis hospitalisé et que quand tu es hospitalisé, tu ne choisis pas l'heure à laquelle tu as le droit de sortir. Il y a des horaires qu'il faut respecter. Et le petit déjeuner est à 9h et moi, il est 6h. Donc, entre-temps, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Je peux sortir Kingdom Hearts Chain of Memory. Et oui, c'est parti les gars, on va continuer notre aventure dans la forteresse oubliée. On va reprendre là où on s'est arrêté. Le but du jeu, c'est de farmer des XP, farmer des XP, farmer des XP pour être prêt à affronter les boss. Le prochain truc qu'on a à faire là dans Chain of Memory, c'est affronter le boss. Alors je sais pas si on va le faire dans cet épisode. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis chaud du cul. Je suis niveau 52. Parfait. Alors, voyons voir juste le plan. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, c'est juste là. Bah, je pense qu'on va l'affronter le boss. Voir les jeux. Est-ce que j'ai des PC en plus? Je peux me rajouter une carte attaque. Voyons voir un peu ce que j'ai. Attaque, attaque, attaque. On va mettre C+. Celle-là. Ah, pas assez. De 4, ça fait 40, 14. 14, une carte à 14. Ah, 15. 21. On va voir foudre peut-être. 21 aussi. Soin, 35. Rafale, ça fait quoi? Repousse et endommage les ennemis proches. 30. Celle-là, elle est à combien? 20. Ah, on peut en rajouter une. Voilà, on peut en rajouter une. On va la mettre à la fin. Hop. Hop. Et quoique là, je vais pas pouvoir trop utiliser la magie. Allez, on est bon. On est bon. Et en chemin, on va affronter des sans-cœur. Voyons voir ce que j'ai à 6. Lieu brutal. Allez, c'est parti pour le lieu brutal. On va tester la bête. Je me concentre sur le gameplay à la Keyblade. Tabasser les ennemis, c'est moi raison d'être. Ok, on a obtenu une sale mog. Intéressant. Il l'a raté, super. On a un espace sécurisant qui a été validé. On va faire tous les 100 coeurs de la salle, bien évidemment. Ah, laisse-moi tranquille. Laisse-moi récupérer les PV. Ah, ils sont déter dans la salle brutale, hein, putain.
Bonne journée. Ouais, c'est la première fois que je vous en montre un. En fait, ils font le tour des chambres à certaines heures. Et ben là, c'était l'heure de faire le tour des chambres. D'habitude, je mets pause, mais là, j'étais en plein combat, donc j'ai pas eu la volonté de mettre pause. C'est juste que j'aime pas vous montrer ça. Je sais pas, en fait, c'est vu que c'est mal vu, en réalité, vous savez pas. Genre, vous le voyez dans les vidéos comment je suis. Je veux dire. Pas parce que j'entends quatre voix dans ma tête que c'est la fin de l'humanité, tu vois ce que je veux dire? Je me retrouve dans cette situation, c'est pas lié à mes symptômes, c'est lié à ma situation de logement. Je suis à l'hôpital parce que j'ai pas d'appartement et que ma mère veut pas me récupérer parce que je suis schizophrène paranoïaque. Je suis abandonné par ma famille et ma famille m'appelle pour me demander des sous et me jouer. Mon père qui m'a cassé les dents dit qu'il pense à moi à Noël. Et tu vois le délire un peu? Là, je reviens un peu sur ça parce que là, ça remonte. Mais comme vous pouvez le voir, je suis pas en train de m'exciter ou quoi, je m'énerve pas, j'ai pas envie. Des fois, j'ai envie de casser des trucs. Je vous mens pas, des fois, ouais, des fois, j'ai envie de casser des trucs. Des fois, j'ai envie de prendre tout ce qu'il y a dans la pièce et de le casser, de le fracasser, de tout détruire quand je suis en colère. Quand je repense à une histoire qui me fait mal au cœur, ma haine ne sait pas s'exprimer autrement que par l'envie de casser des objets. Mais sinon, ça va plus ou moins bien de manière générale au niveau du psyché. Hier, j'ai fait une petite décompensation parce que j'en avais marre, je me faisais chier, je m'ennuyais. La vie, elle avait pas trop de sens, j'avais pas la volonté de jouer au jeu parce qu'en fait, il y a une patiente, elle m'a cassé les couilles. J'étais tranquille en train de faire mes vidéos et mon blog et elle est venue me décompenser chez moi et ça m'a démarré. Ça m'a stressé, ça m'a rendu nerveux. Et putain, il tabasse, hein. Faut voir que je me fasse un soin de plus. Mais là, jouer à Kidamard, ça me fait du bien. Avant, les jeux vidéo, c'était un peu mon refuge émotionnel. Quand ça allait pas bien, j'allumais la console et je jouais. Mais ça a été brisé par le système. Parce que j'ai fini par considérer que c'était inutile, que ça servait à rien, que c'est pas ça qui allait changer le destin. Il se retombe trop vite. Ok, on va augmenter les PC. On va modifier le jeu du coup. On va retirer celle-là et on va rajouter celle que j'avais vue. Elle, je dois pouvoir la mettre. Parfait. Et voyons voir si elle est au bon endroit. Elle est au bon endroit. Je fais pas assez attention aux cartes que j'utilise. Yeah.
On se débrouille plutôt bien. On a fini la salle, on va voir si on chauffe des points mag. Ok. Pièce suivante. Non, attendez, je reviens en arrière parce que je veux la booster. On va faire un. Ah, j'ai plus de lieu bruyant. On va faire un autre lieu brutal. Ah, quoique non, il faut que j'utilise une carte à 7. Pas celle-là. Pas celle-là non plus. Celle-là. On se débrouille plutôt bien, je trouve que je maîtrise bien le jeu personnellement. C'est pas fantastique, fantastique, mais ouais, je m'en sors. Je m'en sors. Les mecs au bouclier, ils ont vraiment des cartes très hautes, hein. C'est problématique ça.
Ok, on va. On ramasse les objets. Elle est grande la pièce, putain. Allez, c'est parti. On va faire le boss. Tu as bien fait de venir jusqu'ici, la bête. En récompense, je vais te révéler pourquoi Belle t'a rejeté. Ma magie noire nécessite les cœurs les plus purs. Belle était parfaite. Au fond de son cœur, son amour pour toi brûlait d'un feu extraordinaire. Mais elle a deviné mes plans. Et en niant son amour pour toi, elle mettait son cœur hors de mon atteinte. Mais elle m'a sauvé, elle m'a protégé. Elle n'a pas pu cacher ses vrais sentiments. Assez, libère son cœur, maléfique. Sinon... Sorcière, je perds patience. Tu ne vois donc pas pourquoi je te révèle tout cela? Tu crois que c'est par gentillesse? Je l'ai fait pour effacer tes doutes. Ton cœur commence à brûler d'amour pour Belle. L'élément idéal pour ma magie noire, j'aurai aussi ton cœur, monstre. N'y compte pas. Vous osez me défier, pauvre fou. Là, sa tête a fait des jump cuts. C'est une tricheuse. J'arrive pas à atteindre sa tête. Elle a pas l'air d'être bien difficile à battre. Bon, pour le moment, hein, elle m'a pas encore sorti de grosses attaques. Elle m'a pas encore sorti les cartes à trois trucs, comme il faisait Capitaine Crochet. On est déjà à la deuxième barre de vie. On n'a pas pris beaucoup de dégâts. Elle a des cartes faibles. Elle n'a pas encore comboté ses cartes. Ce serait pas trop utile de faire des attaques combo, genre Disco Bolos ou Aquilon. J'ai pas encore eu la tête de Mickey qui me permet de bien la comboter, mais bon, vas-y, en gros, c'est facile tout ce que j'ai à faire. Et merde, Aquilon. Faut que je saute au-dessus. Elle va me tuer, elle va me tuer, elle va me tuer. Bien joué, Donald. À l'aise. Ouf! Ah, quand elle a sorti les flammes, j'ai cru que j'allais perdre.
réussi. Belle, le ciel soit loué. Pardonne-moi, j'étais obligé d'être cruel envers toi, mais je crois que je n'ai pas pu cacher mes sentiments. C'est à moi de m'excuser. Un instant, j'ai douté de ton amour. Je ne veux oublier à jamais ce sentiment de désespoir. N'y pense plus, dès maintenant. Nous allons remplacer ces tristes moments par de joyeux souvenirs. Belle. Ça commence à sentir l'eau de rose. Oh! Oui, laissons les seuls. Bonne idée! Allons-nous-en! J'arrive pas à faire la voix de Donald, c'est impossible. Et c'est tout. Et c'est tout, ça s'arrête sur ça, voilà. Bon, c'est absolument pas ce qui s'est passé à la forteresse oubliée dans Kingdom Hearts 1, bien évidemment. Hein, Sora, il a pris trop de coups au cours de ses combats. Et il a une commotion cérébrale qui a complètement modifié tous ses souvenirs. Les Sans-Cœur, ils en ont profité pour tous les corrompre. Et donc, du coup, on passe au palier suivant. Oui, Riku, je pensais qu'il nous attendrait ici. On dirait qu'il a enfin abandonné l'idée de se battre. Je l'espère. Ok, cette façon d'affronter pas Riku. Peut-être que Riku ne veut plus se battre contre toi. Prudence! Riku peut nous attaquer à tout moment. Eh bien, Rexen, on dirait que ton petit jouet ne répond plus à tes ordres. Oh, Larxen, laissons à Vexen le bénéfice du doute. Peut-être que la disparition de Riku fait partie d'un plan pour faire avancer Sora plus vite. Oh, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Mille excuses, Vexi. J'ai toujours eu du mal à prendre tes petites expériences au sérieux. Tais-toi! Oh, tu fais la moue? Ah, ce que tu es susceptible. Tu es mal placé pour me dire ça, espèce de petite. Ça suffit. Marluxia. Ton plan a échoué, Vexen. Ne nous déçois pas une nouvelle fois. Vous, décevoir? Tu es bien arrogant, numéro 11. N'oublie pas que je suis le numéro 4. Je ne tolérerai pas tes remarques condescendantes. Oh que si, ce château et Naminé m'ont été confiés à moi. Et en me défiant, c'est toute l'organisation que tu défies. Si je ne m'abuse, la trahison est punie par la peine capitale. C'est absurde. Au nom de l'organisation, je déclare que ton projet est un échec lamentable. Cette faute doit être signalée à notre supérieur. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie, ne le mêle pas à ça. D'accord, à une condition. Laquelle? Tu dois éliminer Sora toi-même. L'éliminer? Tu refuses? Non, enfin, mais pourquoi? Contente-toi d'obéir. Il va vraiment le faire, tu sais. Il n'a pas le choix. Nous non plus. Que faire? Ton héros sera bientôt plus de ce monde. Mais il t'a fait une promesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Naminé? Oui. C'est déjà le dixième étage. On en a. C'est déjà le dixième étage. On en a fait du chemin. Et on a perdu 10 nouveaux souvenirs. Et on a perdu 10 niveaux de souvenirs. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour, Sora.
Non, je ne peux pas. Ce serait faillir à ma promesse. Ta promesse? Quelle promesse? Quand j'étais petit, j'ai fait une promesse à Naminé. Je lui ai dit que quoi qu'il arrive, je la protégerai. Mais je ne m'en suis souvenu que lorsque j'ai perdu tous mes autres souvenirs. Comment ai-je pu oublier une chose si importante? Mais il n'est pas trop tard. À partir de maintenant, j'honorerai ma promesse. D'accord, Sora, nous comprenons. Tu n'as pas oublié ta promesse à Naminé, donc tes souvenirs importants sont toujours là. Les belles promesses comme les tiennes doivent être tenues. Ok les gars, on va sauvegarder ici, on a avancé pas mal dans l'histoire. Là, le prochain niveau qu'on a à faire, c'est le niveau de la forêt des rêves bleus, donc je pense qu'on va le faire. On va pas le speedrun, ce passage est juste le nexté. Il sert à rien. Qu'est-ce qui t'arrive, petit ourson? Je cherche mes amis. Ils sont par ici? On dirait bien qu'il n'y a personne. Alors c'est sans doute personne que je cherche. Hein? Tu cherches personne? C'est ça, je cherche mais ça ne mène nulle part. Et ça me donne faim. Je me demande s'il y a du miel par ici. Mais si je me mets à manger, je devrais arrêter de chercher. Nous pourrions chercher tes amis ensemble. Chercher personne, tu veux dire? Mais non, tes amis, ils sont peut-être dans le coin. À nous deux, on les trouvera sûrement. Tu cherches aussi mes amis? Non, je cherche les miens. Ce sont des amis de Winnie. Mais Winnie, c'est moi, pas toi. En effet, je suis Sora. Mes amis sont différents des tiens. Mais je sais ce que l'on ressent quand on est séparé d'eux. Alors pourquoi ne pas chercher nos amis ensemble? Très bonne idée. Même si je ne suis que la projection de tes souvenirs et que toute cette histoire n'est pas à prendre au sérieux. Ok, donc il faut que je le mène. Le miel en haut à droite représente l'énergie de Winnie. D'accord, Winnie fait une petite sieste lorsqu'il est accro de miel. Ok, alors je dois l'amener à ses amis avec R. Alors R, c'est ce bouton. Carottes, choux, oignons, tous mes légumes doivent être bien triés. Et bouge ton gros cul. Mais t'as du miel là! Là. Qu'est-ce qu'il me fout? Ah, peut-être parce que j'étais trop loin. Et il préfère manger le miel que parler à son pote, ce con. Là, j'étais trop. Ah, il a dû jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est vraiment un niveau inutile. Viens prendre le ballon, je sais pas à quoi il sert, mais prends-le, mon frère. Éviter le trou, j'imagine. Mais non! Pauvre teubé. Là, je sais pas, des fois, les programmeurs, ils ont des idées. Tu vois, genre, je sais pas qui leur donne. Je sais pas d'où est-ce que ça leur vient. Mais c'est des idées de merde! Bon, laisse-moi ramasser mes points bug, mon frère. C'est plus important que toi.
Viens te rassasier le gosier, mon frère. Viens rayer ce miel, bien mielleux. À quoi tu penses? Oh. Mais arrête d'aller dans les trous! Pourquoi tu vas aller dans les trous? C'est pas le bon trou dans lequel il faut aller. On trouverait une oursonne un autre jour, t'inquiète mon frère. J'y travaille. Il manque juste les kangourous. Ah, j'ai eu peur qu'ils puissent pas passer par là. Prends le miel, mon frère. Je crois que c'est le niveau le plus passionnant. On est dans le pic du gameplay de Kingdom Hearts Chain of Memory, les gars. Je me demande à quoi il ressemble dans le Chain of Memory ce niveau. Bon, elle est où la putain de ligne d'arrivée là? C'est là? Oh, Winnie, arrête de rêvasser, putain. Oh, avance. Non, Winnie, réfléchir, c'est pas fait pour toi. Laisse ça au grand. Ok. On ne peut pas aller plus loin. Alors, Winnie, tu ne trouves pas que c'était plus agréable de chercher nos amis ensemble? Oui, tu avais raison, Sora. Pour te remercier, je voudrais t'offrir ceci. Ouf, j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je crois que je vais me reposer un peu. Et mon cadeau, il est où? Si seulement j'avais un pot de miel pour me tenir compagnie. Eh bien, je vais continuer mon chemin. Où vas-tu aller? Je vais essayer de trouver mes amis. Ouais, Bambi. Oui, sauvegardez. Qui es-tu? Et voilà une façon d'accueillir un inconnu, Sora. Je suis Vexen, je viens exiger mon dû. Tu lui dois quelque chose? Bien sûr que non. Oh, mais si, après tout, c'est grâce à moi que tu as retrouvé ton ancien ami. Tu veux dire? Oui, c'est moi qui t'ai amené Riku. Alors c'est toi. C'est toi qui le contrôlais. Qu'as-tu fait de lui? Pourquoi te le dirais-je? Je ne voudrais pas gâcher tes derniers instants. Ok, gros combat contre un boss, ça rigole plus. Ne me dis pas que je dois passer dans. Attendez, on va le stun. J'ai pas le souvenir que celui-là il est dur. Mais j'avais pas le souvenir qu'il fallait que je passe dans son dos pour le frapper.
Il est dur. Et merde, je vais redonner des PV. Je l'ai raté, bien évidemment. Bien joué, Donald, toi aussi. T'as carry, mon frère. Non, je l'ai encore soigné. On a bientôt eu. On l'a eu! On va augmenter les PC. On était un peu juste au niveau des cartes. Splendide! Comme je le pensais, tu ne te laisses pas tuer facilement. Comme si j'allais perdre. C'est ce que nous verrons. Durant le combat, j'ai fouillé ta mémoire. Et regarde ce que j'ai trouvé. C'est une carte créée avec tes souvenirs scellés sur l'autre face de ton cœur. Si tu veux me combattre pour de bon, entre dans le monde de cette carte. Non, ne pars pas! L'autre face? De quoi parle-t-il? Carte monde. J'ai un mauvais pressentiment. Nous devrions être prudents. L'autre face de ton cœur. Est-ce là
Que vont toutes les choses que tu oublies? Vexen a perdu les pédales, on dirait. Voilà qui était très imprudent. Que faire maintenant, Axel? Si Sora découvre la vérité sur l'autre face, tout est fini. S'il passe à travers sans comprendre, on pourra réparer les dégâts. Si ce n'est pas le cas, laissons-les. Laissons Namine régler ça. En attendant, tu sais ce que tu as à faire, Axel. Pas du tout. Et si tu me le disais clairement? Débarrasse-nous de ce traître. C'est comme si c'était fait, mais il ne faudra pas le regretter plus tard. Une carte créée avec des souvenirs scellés sur l'autre face de ton cœur. Je me demande à quoi elle sert. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, de toute façon, c'est la seule carte qui nous reste. Voyons voir les dialogues. Tu crois que moi aussi j'ai des souvenirs sur l'autre face de mon cœur? Ça fait peur. À mon avis, Vexen va sûrement nous tendre un piège. Et voilà, et nous on va s'arrêter sur ça. Ça fait 42 minutes de vidéo, c'était assez cool, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. On a bien progressé, on a fini la forteresse oubliée, on a fini le monde de Winnie l'ourson, on a battu Vexen dans un combat singulier. Bref, plus beaucoup de choses à faire avant la fin du jeu, on est plus proche de la fin que du milieu. Il nous reste encore, je crois il nous reste encore 3 mondes à explorer, mais c'est 3 mondes durs, avec des boss durs. Que quand j'étais gamin, j'étais bloqué, mais là je pense que cette fois-ci je vais m'en sortir. Nous, ce qui va se passer, c'est que dans le prochain monde, on va faire comme on fait d'habitude, on va essayer de farmer les XP, et en farmant les XP, on va essayer de progresser et de farmer les XP en même temps. Bref, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était Rygur, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes magnifiques voix vous auront fait kiffer ces morts, parce que la vérité, j'adore faire les voix des personnages. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Rygur, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Prenez soin de vous, plein de bisous sur le cou, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!